Bonjour tout le monde, je suis à Bogota, en Colombie. Dimanche, ici, aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Et je suis ici avec une délégation de mon groupe de la gauche au Parlement européen. Je suis avec des collègues espagnols, grecs, portugais, basques. Et nous participons donc à une mission de soutien, de solidarité dans le cadre de cette élection présidentielle. Vous avez un candidat qui s'appelle Gustavo Petro, qui a de fortes chances d'être élu dimanche. Gustavo Petro, il fait partie de notre famille politique, de la famille politique de la gauche, de la solidarité, de la justice sociale. Il a la possibilité de gagner. Il y a un élan de changement, il y a un grand souffle du changement, un grand enthousiasme qui s'est développé autour de sa candidature et de celle de son binôme. Son binôme, c'est la candidate Francia Márquez. Et donc, les gens ont la possibilité, ici en Colombie, de porter un programme qui est un programme de justice sociale, de solidarité, d'écologie et de démocratie. Il faut savoir qu'ici en Colombie, ça fait des décennies et des décennies, il n'y a jamais eu, on peut le dire, une politique de gauche, une politique progressiste au pouvoir. Ça fait des décennies et des décennies qu'on a un gouvernement de droite, un gouvernement qui mène des politiques autoritaires, répressives. Vous avez eu des millions de personnes, 5 millions de personnes en mai 2021, donc l'année dernière, qui sont descendues dans la rue, essentiellement des jeunes, pour dire on en a marre de cette société inégalitaire. Ils sont descendus dans la rue pour dire on veut du changement. Un autre monde est possible. Et aujourd'hui, la candidature du duo Márquez-Petro, Petro-Márquez, c'est un débouché politique à ces mobilisations. Et on a vraiment la possibilité donc, de le porter au pouvoir. C'est ce que disent les enquêtes d'opinion, du moins, que le duo Petro-Márquez est donné gagnant. Alors maintenant, il y a des choses qui sont préoccupantes. Le duo Petro-Márquez fait l'objet de menaces, fait l'objet d'intimidations. Et malheureusement, ici en Colombie, quand il y a des menaces et quand il y a des intimidations, eh bien, on ne les prend pas à la légère, on les prend au sérieux. Il faut savoir que là, depuis le début de l'année 2022, il y a une cinquantaine de leaders sociaux. Donc leaders sociaux, c'est les syndicalistes, c'est des représentants de mouvements indigènes un peu partout dans le pays qui ont été assassinés. Pour autant, donc, je veux bien vous dire, insister sur le fait que la victoire, elle est possible dimanche et que ça permettrait de faire boule de neige. Boule de neige, déjà bon, pour sortir le pays de la situation inégalitaire dans laquelle il est plongé depuis des décennies. Boule de neige dans toute l'Amérique latine. Et puis boule de neige, pourquoi pas chez nous aussi en France. Je pense que ça va nous donner beaucoup d'enthousiasme s'il y a une victoire ce dimanche, parce que nous, on a des élections législatives, comme vous le savez, le 12 juin, le 12 et 19 juin en France, donc deux semaines plus tard. Et une victoire de notre famille politique, effectivement, ce serait quelque chose de positif. Le programme de Gustavo Petro, il est très, très similaire au programme de la NUPES, il est très similaire au programme qui était porté par Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle, l'avenir en commun. Tout ça, c'est enthousiasmant. On espère revenir à la maison avec une victoire, hein, ramener la coupe à la maison. Hein. En tout cas, une chose est claire, c'est que de Paris à Bogota, un autre monde est possible.